La situation ne cesse de se dégrader en Syrie. Au moins 200 personnes ont péri hier dans le pays, dont une trentaine à Damas et dans sa périphérie. L'armée du régime a poursuivi ses opérations et notamment ses pilonnages. 29 élèves et un professeur ont été tués dans la chute d'un obus de mortier sur une école du camp Al-Wifidine. Selon l'Observatoire des droits de l'homme, plus de 41 000 morts, en majorité des civils, ont péri en 20 mois de conflit. L'ONU et l'Union européenne ont réduit leur présence dans le pays, signe supplémentaire de la dégradation de la sécurité près du cœur du régime syrien. Et le programme alimentaire mondial s'inquiète, l'acheminement et la distribution de vivres deviennent de plus en plus difficiles en Syrie, où le nombre de personnes vulnérables s'élève à 1,5 million.